Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de cueillir un fruit légendaire ou mythique sur un arbuste de réalité. Alors pour réaliser ce défi déjà il faut rejoindre votre arbuste de réalité. Donc l'arbuste, mon arbuste de réalité, il est indiqué par un petit logo qu'on peut voir juste ici, donc je vais rejoindre cet arbuste. Et si vous ne savez vraiment rien à propos des arbustes de réalité, je vous invite à aller regarder la vidéo que je mettrai en description, en commentaire épinglé, qui est une vidéo d'un guide complet qui vous explique l'entièreté de l'utilisation des arbustes. Donc ça vous explique vraiment comment utiliser un arbuste de A à Z et toutes les fonctionnalités qui tournent autour de ça. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est une vidéo très complète et très utile. Donc là, regardez, mon arbuste de réalité est juste ici. Donc pour lui faire apparaître des fruits légendaires, pour lui faire apparaître des fruits, il faut déjà que je désherbe l'arbuste de réalité. Donc là, j'arrache les mauvaises herbes. Voilà, donc je désherbe mon arbuste. Et là, regardez, il y a des fruits qui vont pousser. Donc là, j'ai des fruits rares qui ont poussé. Vous pouvez voir que l'état de l'arbuste est en bas à gauche de l'écran. Donc à gauche, il est marqué fruits rares. Donc là, évidemment, je ne peux pas réaliser mon défi parce que je suis en rareté rare. Par contre, le prochain désherbage se passe dans 2h45. Quand je désherberai mon arbuste, bah là, il passera peut-être en épique. Donc voilà, il passera en rareté mauve. Ensuite, quand il est en rareté mauve, il faudra que je redésherbe l'arbuste pour qu'il devienne en rareté légendaire. Donc là, je ne saurais pas réaliser le défi tout de suite parce que mon arbuste est uniquement en niveau de rareté rare. Donc pour le faire augmenter, les fruits, il faut que je désherbe l'arbuste en question. Alors, c'est pas tout parce qu'en fait, cet arbuste, pour réaliser ce défi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre propre arbuste de réalité. Vous pouvez utiliser un arbuste de quelqu'un d'autre. Donc moi, ce que je vous conseille, si votre arbuste est à l'état rare et que vous allez pas, que vous voulez absolument faire le défi rapidement, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici à la cascade de réalité. Donc, voilà, vous vous rendez ici et là, vous cherchez après les arbustes d'autres joueurs. Donc je ne sais pas si les arbustes sont toujours à ces emplacements-là, hein, parce que je sais qu'en début de saison, tout le monde mettait son arbuste ici. Mais là maintenant, comme les saisons ont évolué, bah, c'est plus difficile d'en trouver. Donc peut-être aller voir à un autre lieu où il y a beaucoup de graines de réalité. Donc par exemple, il y a beaucoup de personnes qui mettent des arbustes de réalité à la cascade de la réalité. Ici, juste en dessous de Rocky Ribs, à Shuffled Shrines, ou alors à Logjam Lotus, voire même juste ici, c'est possible aussi que vous trouviez des arbustes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement relancer une partie et aller à un autre emplacement pour chercher des arbustes. Donc voilà, là, je vais à Logjam Lotus. Je vais aller chercher après des autres arbustes de réalité. Alors, il faut savoir que les fruits mythiques, vous ne pourrez pas les voler aux autres joueurs. Mais les fruits légendaires, ça, vous allez pouvoir les voler aux autres joueurs. C'est pas un problème. Donc regardez, là, il y a un arbuste de réalité d'un autre joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir son arbuste. Et voir, regardez, là, il y a un fruit légendaire. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement cueillir ce fruit légendaire pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez réaliser le défi en utilisant l'arbuste de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai utilisé l'arbuste de Tudor LOL. Donc voilà, il dort tellement qu'il n'a pas récolté son arbuste. Donc moi, j'ai pu récolter son arme légendaire. Donc dès que vous aurez récolté un fruit légendaire ou mythique, bah là, vous aurez terminé votre défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.